Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Nous connaissons déjà, nous sommes Lexi Mitch. Nous connaissons nos rendez-vous chaque dimanche à 5h PM dans une émission qui est le Lexi Show. Je dis à nous avons un invité ensemble avec nous qui est un jeune étudiant qui a fait un travail positif dans la communauté PAL. Nous allons présenter tout à l'heure. Nous prenons une pause et puis nous retournons en haut. Jean nous te dit, nous avons invité ensemble avec nous. Et nous avons quitté présenter pour nous allons faire connaître ce Samavel Kounia. Bonjour, Lofkendi. Bonjour, Lexinik. Et comment y est, comment sens-tu le fait que on a émission Lexi Show aujourd'hui? Je suis très content pour participer à l'émission. En même temps, tout, je suis stressé parce que je suis qui sont préparés pour moi. Mais nous sommes dit que nous sommes très contents pour nous capables là. Ok, et vous êtes capable de présenter avec mon yo, qui est mon yo, qui sont faits, côté où étudier, qui sont étudier, etc. Ok. Et moi, c'est Lofkendi Jourdan, moi j'ai 16 ans, moi j'ai un secondaire 2 au collège Saint-Louis, qui est dans Jérémy. Moi j'ai fait secondaire 2, j'aime ce dit là. Moi j'ai vu Jérémy avec parents, et moi c'est ambassadeur de paix, ville Jérémy. Suite à mon concours, j'ai participé que le programme des Nations Unies pour le développement est organisé dans la ville Jérémy. Et c'est ça qui fait mon jeune titre ambassadeur de paix. Moi, je suis un jeune chrétien, moi, je suis un jeune qui charge de dévouement en pile parce que moi, je débrouille dans tout sens pour non seulement m'utiliser tête, mais utiliser la communauté partout. Et sous point ça, je pense que c'est tout ça qu'on connaît de moi-même en tant que jeune. Ok, et là, coucou Miss et Mister que nous avec. La mérite est organisée. Moi, je crois que vous êtes arrivé champion concours. Dis-nous, qui j'ai expérience à télé, qui j'ai été senti le fait que vous êtes ambassadeur de paix dans la ville Jérémy. Expliquez publiquement qui j'ai expérience à télé. Ok. Et femme du bien, son expérience qui était extraordinaire parce que après le concours, ça a aidé à grandir plus, aidé à façonner la personnalité. Et dans le concours, là, je suis pour me faire tout ça capable pour parler sur droit monde, sur un peu le sujet d'actualité. Et je mettre tout moi-même dehors pour être capable de remporter place ça. Parce que être ambassadeur de paix, c'était toujours rêve moi. Pour être toujours un jeune qui a utile la communauté, qui a fait tout ça capable pour améliorer la communauté. Et c'est avec un peu de fierté que je recevoir pris ça. Et je travaille un peu plus. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer? Qui ça est ambassadeur de pays? Qui ça est ambassadeur de pays? Donc un ambassadeur de paix, c'est quelqu'un qui fait tout son possible pour œuvrer pour l'implémentation d'une culture effective de paix dans la communauté où il exerce sa fonction. Donc en tant qu'ambassadeur de paix, et on doit regarder les situations qui provoquent les conflits, tant que ça me décapre, tant que frustration mounio. Tant qu'on respecte les droits de l'autre monde, manque de cohésion sociale. Alors, il y a un ambassadeur de paix qui vient pour lui par des projets, par des activités que l'a organisé pour permettre à monde de connaître qui ça doit être, qui est capable de vivre avec l'autre sans que ne pas violer les droits, qui est capable de faire pour vivre avec l'autre en parfaite cohésion sociale, parce que la cohésion sociale, là, il favorise la paix. Donc, c'est tout ça ambassadeur de paix pour le faire. Travailler avec la communauté dans l'optique pour arriver à faire de en culture de paix un bagage que la société a gagné là-dedans. Qui ça vous réalise déjà? Ok. Qui ça vous réalise déjà en tant qu'ambassadeur de paix? Déjà, alors j'ai gagné un concours projet pour me faire formation avec jeunes, ok, sur droits humains, sur équité de genre, leadership. Et nous devons pour nous parler tout sur l'objectif de développement durable. Donc tout ça, c'était pour nous permettre aux jeunes qui sont dans la communauté de transformer tête en acteurs de changement. Puis nous dire bon, si nous devons faire ça, nous devons faire si ça va entrer dans le cadre de la promotion pour la paix. Pour nous aller travailler d'une autre façon pour nous capable vivre dans la société et pour nous capable faire tout le monde qui est dans l'entourage et respecter les droits de l'autre monde. Et puis, décembre dernier, pour nous commémorer le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons organisé une bonne activité qui a commencé avec une marche. Une marche pour nous sensibiliser la communauté à sous droit. Après ça, nous avons fait une formation, nous avons fait un symposium,
tout ça pour nous permettre à la communauté à voir qui sont capables de faire pour œuvrer pour la paix et puis pour nous avoir une idée sur qui doit nous gagner et qui sont capables de faire en cas de violation de droit. Ok, est-ce que parmi toutes les jeunes qui étaient là, est-ce que vous sentez ou vous méritez place ça que vous avez joué? Alors, comme dit bien, dans le concours, il y a un concours pour jeunes et je suis un garçon qui a travaillé pour jouer une petite ça, c'est moi qui ai plus petit. Okay? Parce que j'étais dans le secondaire 1, j'étais quelqu'un qui était dans l'université, tout ça. Et donc, vous passez devant tout. Exactement. Moi, depuis que j'engage mon bagage, je fais tout ça capable pour atteindre l'objectif que j'ai fixé. Par exemple, je parle sous droit à mon jambe, c'est un pile bagage que je n'ai pas. Qui s'en fait mal pour formation dans un groupe qui est groupe d'appui au développement et à la démocratie. Donc, qui c'est grade. Moi, pour formation sur droit au monde, sur une pile thématique, sur convention internationale des droits de l'enfant, tout ça qu'on est ONU mettez en place, yo, juste pour me décapabler en pile connaissance, pour les répondre à des questions, pour les présenter projet. Donc, faut me dire bien, je fais tout ça capable, et oui, je mérite place là, et tout le monde qui était là, il y a pour remarquer que je mérite place là, parce que je fais tout ça capable pour arriver dans la place là, je dis. Ok, et nous allons rentrer dans l'autre. Série de questions. Tant que tout à l'heure, tu as dit que tu as un projet qui a lancé le 18 juillet, si je ne me trompe pas. C'est un projet de petit monde qui est dans la rue, tant que petit monde qui est démuni. Est-ce que tu es capable d'expliquer qui gens ça y est, qui gens ça pralie? Et puis tout, est-ce que tu as un sponsor qui. Est-ce que tu as un sponsor déjà? Est-ce que tu as un cop qui est disponible pour réaliser le projet ça, qui a fait le 18 juillet? Okay. Merci. Et j'en sais dit là, nous avons un projet que nous avons lancé le 18 juillet. C'est moi-même avec un groupe jeune que moi c'est coordonnateur, qui c'est jeune pour les droits humains. Étant donné dans la période COVID-19, ça, une période qui est difficile, si les gens qui sont dans la rue, ils n'ont pas assez d'informations, ils n'ont pas compte qui ça peut faire pour protéger la tête exactement face à la pandémie. Ça. Donc, qui ça a fait en tant que jeune, nous voulons réunir 50 personnes pour nous faire une formation sur. Qui geste barrière est capable d'appliquer pour protéger la tête face à COVID-19 là. Ensuite, nous voulons remettre un kit sanitaire pour capable mettre en pratique tout ça sous barre d'information. Et puis après, nous voulons remettre un kit alimentaire juste pour nous capable aider à survivre avec le moment ça. Et nous avons un sponsor qui est officiel, mais son projet qui est ouvert à tout le monde. Ou même qui voulait contribuer est capable de faire parce que aider un petit monde qui est dans la rue, c'est aider la société à faire un autre pas. Ok, est-ce que vous avez dit que quand vous avez une idée, ça, est-ce que vous avez une idée ça, et puis vous avez l'autre monde qui est ensemble avec vous? Ou mettez le projet à devant vous pour accepter? Ou bien c'est nous-mêmes en groupe qui était juste chita pour nous être capable de jouer une idée ça pour nous être capable de lancer le 18 juillet? Ok, alors, l'idée ça pour nous venir. Parce que vous connaissez, ma travail, ma fait volontariat avec MSPV de concert avec le programme des Nations Unies pour le développement dans la période COVID-19 ça. Et puis et pendant le travail là, j'étais le break, moi sorti avec 11 amis, moi dans prendre lunch et puis côté dans manger là, les n'a sorti en dedans, nous j'ai un petit monde qui dehors, OK, qui mandé et puis nous dit bon si vous avez sou ou comme ça, vous pas contre quelque bagage pour protéger tête yo, yo pas contre sou malade, yo pas contre sou pas malade, yo juste ça pour vinn sou, OK, juste pour capable ba un bagage. Et puis me dit qui ça me t'a fait? Me dit les OPM m'a consacré un parti dans l'argent là pour me capable aller m'a fait manger pour yo même, m'a fait manger pour bay en quantité de monde. Et puis ami me dit mais non, nous pas obligé faire comme ça. Mes amis dans toute organisation que mieux, OK? Et puis il dit on pas obligé faire comme ça, mais moi-même on pourrait pour contribuer avec activité ça. Pour qui ça ou pas tout faire activité ça avec une groupe que on coordonner. Comme ça on t'a fait un bagage qui plus grandiose pour nous toucher plus de monde encore. Et puis me dit bien super. Et puis moi arrivé là quand moi prépare le projet à moi parler avec petit monde qui dans groupe là tout d'accord et puis nous dit et puis n'a placé. C'est ça qui fait ou activité ça est ouvert à tout le monde capable contribuer parce que pour nous toucher 50 personnes ça nous besoin en pile l'argent. C'est ça qui fait tout le monde qui voulait ou capable contribuer penser dans fin vidéo à la petite numéro. OK. Avec nous pas rentrer sur ça 18 juillet ça qui gens ça va aller.
l'offre qui va dire nous, qui j'ai activité ça. Ok. Déjà, on travaille avec une organisation de base qui est dans la ville Jérémy déjà, qui est habitué à travailler avec Timon dans la Rio. Donc, il y a toute une base de données pour comment pour rejoindre Timon dans la Rio. Du coup, c'est avec l'organisation ça fait un travail, l'organisation ça a chargé pour lui faire rejoindre Timon dans la Rio. Ça, c'est un premier bagage. On a réuni avec un nom local, avec distanciation physique, sociale, tout ça. Et on a fait formation pour eux. Après, nous avons fait un kit alimentaire avec un kit sanitaire. Kit alimentaire là, qui a du riz, maïs, spaghetti, saumon, des trucs de ce genre pour aider eux à passer un petit temps. Okay? Ça, c'est toujours dans le premier plan parce que nous voyons en pile lettres, mais c'est nous rejoindre en pile monde qui répond pour l'activité. Avec nous, avons une quantité qui répond. Et si nous arrivons à jouer assez d'argent pour nous bailler un kit alimentaire, nous allons l'obliger à passer avec un. N'a pas un kit sanitaire et puis n'a essayé ouais en l'autre façon nous café et ceci manger vite n'a pas eu qui ça nous café parce que les groupes là a pensé sur toute bagarre ça mais ça qui est très important la réaliser quel que soit n'importe quel endroit la réaliser projet à réaliser exactement mais nous voulons bailler un kit alimentaire parce que si mon n'a pas besoin jeudi juste on va le bailler manger mais si nous bailler un kit alimentaire ça capable aider passer un petit temps parce que des fois m'a dit tout si mon même soit dans la rue avec mes parents exactement des fois c'est maman yo ou bien papa qui voit dans la rue alimenter parce que kit alimentaire là la petite yo parce que depuis au jeune yo il y a mis un côté puis au côté quand même ou même qui t'a voulu faire un don avec si mon ça yo parce que c'est pas pour groupe là c'est pas pour groupe là ou faire c'est pour si mon qui dans la rue et faut bon monde qui pour faire premier pas. Et puis nous même pour nous qui j'en appelle, quel que soit n'importe qui j'en ai, je pense que on va le dire son et pour dire mon yo pour réaliser mon geste. Donc, si on veut contribuer, ou capable relayer ou bien ou capable écrire par WhatsApp sur 38 21 01 24. Donc, dès que vous sur ce numéro, ça va en contact avec le secrétariat général projet, qui va avoir plus d'informations. Et puis, ou capable sous besoin voyer mon cash tout ou capable voyer mon cash sous même numéro ça c'est numéro groupe là on va soit en contact avec secrétaire général là là on a bien tout détail tout ça pour faire pour capable contribuer à aider nous réaliser projet ça ou capable reler ou bien quitter un message WhatsApp aussitôt possible pour avoir une réponse pour nous capable réaliser activité ça ensemble parce que c'est une activité n'a fait pour communauté à moi même pas suffit Michel là avec moi pas suffit. Le groupe n'a pas suffi, mais c'est nous tous ensemble qui allons réaliser l'activité. Okay. Et si vous avez un monde qui fait un don, et je pense que vous avez mon cash ou mon téléphone, mon cash c'est pour les gens qui sont à Haïti seulement. Et pour les gens qui sont à l'étranger, qui fait un don, qui fait un petit geste avec nous. Et ceux qui non, mettez un nom qui est disponible avec l'adresse de mon nom, parce que le numéro de téléphone de mon nom, comme ça. Et si vous avez fait un geste, je pense que c'est la plus facile pour vous. D'accord. Alors, si on est à l'étranger ou on veut contribuer avec le projet, ça, et ou capable de voir le nom responsable financier projet, ça, qui c'est Erard Gervaison. H-E accent aigu, R-A-R-D, G-E-R-V-E accent aigu, S-O-N. Erard Gervaison. Et puis, ou capable d'écrire sous numéro, ça, moi, sur le bail là, pour capable dire, mais qui transfère, fait, mais qui j'en sais rien. Et puis, nous pensons qu'on est capable de recevoir. Et n'a pas capable rester en contact. OK, m'pa konnen si ou te gon dernier bagay ou te vle di que m'pa te pose question sou li sou quatre projets ça que ou gen pou réaliser 18 juillet a. Et m'a pe plutôt pour dire kounya et puis pour nous passer dans l'autre public. Et seulement qui ça m'pa capable di, m'pa capable toujours continuer di, c'est s'il vous plaît, aidez-nous réaliser projet ça. C'est ensemble n'a capable faire, c'est nous même qu'a faire un bagaille pour communauté a aider un petit monde dans la rue jodi c'est aider le vinon l'autre monde demain c'est aider communauté à faire un pas c'est respecter droit petit monde ça au gain pour vivre pour manger etc. Donc si vous voulez s'il vous plaît contactez-nous restez en contact avec nous pour nous capable réaliser le projet ça. OK merci c'était ça pour nous te connaître et ça c'est première partie hein nous te connaître qui est ce monde lié qui devine présenter projet lui. Mais qu'on est allé rentrer dans l'autre rubrique que sans pas connaître de Love Candy. N'a pas pause, n'a pas retourner tout à l'heure comme ça.